Coucou. Attends, on va fixer ça. There we go. On va prendre un peu. Hello, hello, bonjour, bonjour. Bienvenue pour celles qui sont nouvelles. Ça, c'est une vidéo live que je suis en train de faire. Alors, bonjour Océane, bonjour Jojo, bonjour, comment vous allez? Alors, moi, je vais bien. Je vous ai promis des vlogs, mais je suis en train de faire le montage. Ça me prend le temps vraiment beaucoup, beaucoup. Hello, Dilam. Les sisters, yes. Yes. Hey, sister, so, sister. Come here. Hey, sister, oh, sister. Alors, comment vous allez? Moi, je vais bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord, avant de commencer d'abord sur les sujets que je vais vous parler. J'ai cru que non, on ne parlera plus de Rob and China. Mais c'est comme si le dé là, l'air drama va continuer jusqu'à l'éternité. Hmm? Vraiment bonjour à tous. Maintenant, Rob, qui est en train d'amener aussi Black China en justice, il dit que non, le 14 décembre 2016, bonjour, le 14 décembre 2016, China a pris, le chargeur des iPhone. Et là, vous lui étrangler Bob Rob. Et là, hein? Donc, et attends d'abord, je vais essayer, hein? Je vais être un peu comme les jurés, quoi. Chez nous ici, on met les jurés pour juger, quoi. Donc, on va faire aux jurés d'essayer. Tu peux tuer quelqu'un avec ça, hein? Tu peux tuer. Donc, je suis sûre que non. China a pris Bob comme Rob comme ça. Tcha! Il a pris Rob comme ça. Il a fait hein, aujourd'hui là. Et oh mon Dieu. Je ne vais même pas imaginer ça. Hein? Oh, bonjour Janice. Janice Beauty est là. Dylan Beauty est là. Oh my God, mon live est béni aujourd'hui. Oh my God. Oui, avec les cordes des iPhones, il dit que non, China dit. Rob, are you joking with me? Are you joking with me? You want me to pull this? Yo, Rob, I'm China. My mom is called Tony. Tony Tokyo. I'm a Tony Tokyo. Tony Tokyo. I'm Black China. Vraiment. Alors, je voulais juste vous faire rire hein, avec ça parce que maintenant, on dit que non, Kali aussi. Donc, c'est Kali et Rob qui sont en train de... Oh, bonjour Gisna. Vraiment, mon live est béni aujourd'hui avec les youtubeuses. Hein. Oh my goodness. So, on dit maintenant que Kali aussi... Kali, Jenna est aussi parmi quoi. Les gens qui sont en train de faire les porter plainte quoi parce que c'était parce que il paraît dans sa maison que Rob et China habitaient, c'est là où ça s'est passé. Donc moi je me dis ouais. Donc hein, Kali aussi est en train de faire un peu le revanche quoi. Hein? C'est toi qui as cru que tu vas jouer avec mon frère, tu vas payer ma chérie les 20 000 $ là. On va te payer par mois. On va tous partager. Alors, moi, je pense que non, le 2, j'ai lu ton message, Océane, j'ai lu ton message. Oui, Dilam, je te jure, ça, c'est le fait de l'amour. Et on va encore attendre l'épisode 3 qui va se passer quelques temps et tout. Et là, on va voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler encore d'abord de Martina. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quelque chose qui me fait... Je vis ça sur la télé ici chez nous. Ça m'a fait un peu mal. Et on va parler de ça, les filles. Parce que parfois, on vient ici, on rit. Et on oublie parfois. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses terribles hein, à leur corps. You know, parce qu'ils vont, ils veulent seulement. Ça, c'est Martina. Lorsqu'elle était blanche. Et ça, c'est Martina. Lorsqu'elle est devenue noire. C'est une, elle est modèle, donc regardez lorsqu'elle était petite,
Ça, c'est Martina lorsqu'elle était blanche. Et ça, c'est Martina lorsqu'elle est en train de faire la transition. Elle veut devenir... Elle est noire maintenant. Hein? Elle est noire. Donc, elle est noire maintenant. Donc, elle a fait que non, elle veut être une femme noire. Elle veut vraiment être une femme noire. C'est pour cela que non, elle est en train de changer tout ça, pour des, you know, elle a pris, vous savez, les choses que les gens un peu clairs et les blanches, you know, se font pour, you know, to tint. You know, elle a commencé à... Elle a commencé à quoi? À se pomper ça. Ce sont les chemicals qu'elle est en train de mettre sur son corps pour devenir noire. Et il y a aussi des filles noires qui veulent devenir des filles blanches. Donc c'est là, il ne faut pas être hypocrite. Il y a les filles noires qui veulent devenir blanches. Et il y a les filles blanches qui veulent devenir aussi noires. Il y a tan spray, yes. Merci Juzno, merci Dilam. Il y a le tan spray, le bronzer qu'ils utilisent pour un peu noircir. Et... Non, c'est pas du fake tan, Janice. Elle a pris ça beaucoup. Elle prend même ça, l'injection pour qu'elle ne soit plus blanche. Elle veut vraiment devenir noire. Mais mon problème est que il y a les filles noires aussi qui veulent devenir blanches. Et les filles blanches qui veulent devenir noires. Et il y a une autre même... Il y a aussi une femme ici aux États-Unis. Ça a fait aussi un scandale. Elle a des cheveux, quoi, bouclés. Et elle a toujours menti aux gens qu'elle était noire. Elle s'est fait bronzer chaque jour. Elle est partie même, elle travaillait. Et parce qu'aux États-Unis, lorsque tu remplis tes emplois, tu veux appliquer pour l'emploi, on te demande si tu es noire, africaine ou, you know, caucasienne, si tu es indienne et tout. Elle remplissait toujours qu'elle était noire. Mais elle n'est pas noire. Ses parents sont blancs. Alors, ce sont ses parents qui sont venus dire ça en public. Ça ne bug pas chez moi. Moi, j'ai une bonne connexion. Tu peux sortir et revenir. Yeah. Et alors, ce qui s'était passé, ses parents étaient déjà, you know, ses parents ont essayé même d'avoir contact avec elle. Elle a refusé carrément que ses parents, you know, que les gens sachent que ses parents étaient blancs et tout. Alors, ça faisait mal aux parents. Les parents ont venu et ils ont commencé à dire ça sur Rachel Dolezel. Thank you, Afro Beauty. C'est elle-même. Alors, ses parents ont dit que non, nous, on veut notre fille. Mais elle ne veut plus rien, you know, elle ne veut plus nous voir et tout, parce qu'elle s'identifie comme noire. Mais même si elle s'identifiait comme noire, le problème est que non, elle s'appelle Rachel comme Afro Beauty vient de dire. Même si elle s'identifie. Aïe, français aussi. Ah, laissez-moi parler. Il y a quoi? Même si elle s'identifie comme une noire, mais le problème est que nous sommes ses parents, on veut être dans sa vie. Elle occupait la place. La position qu'elle occupait, c'était l'occupation qu'une noire, normalement, devait être sur la position, quoi. Elle a effacé tout son passé. Elle ne voulait pas contact avec la famille blanche, là, parce qu'elle veut être noire. Et là, tu vois encore les gens comme Michael Jackson, qu'on a tous vu, changer leur peau, devenir blanc et tout et tout. Moi, je vais juste te dire que non, parfois les gens n'aiment pas parfois ce qu'ils ont et toujours veulent peut-être ce que les voisins ont. Et c'est ça aussi notre problème. Le problème est que moi, par exemple, moi j'aime la peau noire. J'aime pas ma peau, pas le genre de carnation, non. Mais la peau noire, 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 parce que ma mère est noire comme ça. J'aime tellement la peau de ma mère et j'adore. Mais cela ne veut pas dire que je vais commencer à prendre, you know, les tan pour devenir noire comme ma mère. Il y a des limites dans toutes choses. Et puis, il y a aussi des gens qui confondent que non, éclaircir sa peau, cela veut dire que non, tu veux devenir blanche. Non. Il y a les gens qui éclaircir ta peau, par exemple, pour les femmes noires.
Bonsoir, Juzno. Alors, éclaircir ta peau, cela veut dire aussi se débarrasser des taches noires pour que ta peau soit claire, pour que ta peau ne soit pas vraiment disgusting. Hein? Vous savez, il y a là, toi-même, tu peux sentir lorsque ta peau a besoin vraiment, you know, on veut voir ton visage. On veut que ça y est, hier, quoi. Juzno, vite, les gens qui font toujours les skincare ont toujours parlé de ça. You know, que ta peau soit moussouni, mafuta, comme on dit chez nous. Yeah, ngebu. Donc, cela veut dire que non, tu te prends seulement soin de ta peau pour que ça soit une belle peau. Mais il y a des gens qui partent à l'extrême. Oui, qu'il y ait de l'éclat. Oui. Qu'il y ait de l'éclat. Glowy. Thank you, Janice. Mais maintenant, le problème est que lorsque tu veux maintenant laisser ça là où les gens qui sont qui font les skincare, te dit que non, tu peux t'éclaircir jusqu'ici. Non, toi, tu ne veux plus là-bas. Lorsque tu arrives là-bas, tu veux dépasser. Tu veux dépasser la limite. Donc, et il y a aussi les blanches qui veulent aussi faire les tan, you know, se bronzer. Lorsqu'ils commencent à se bronzer, elles veulent plus être foncées, au lieu d'arriver à la limite. Ils veulent dépasser. Donc, cela veut dire, ta peau, comme Dieu nous a créé là, nous, on a de la mélanine, quoi. Ça nous protège de beaucoup de, you know, de beaucoup de choses. Et les blancs aussi, je pense que les blancs n'ont pas de la mélanine, hein. Je suis sûre. Je ne suis pas sûre qu'ils ont ça. Et alors, ils veulent encore se noircir, et dépasser les bornes. Mais lorsqu'on fait tout ça, c'est parce qu'on ne s'accepte pas, on ne s'accepte pas souvent. Je ne dis pas à celles qui veulent seulement prendre soin de leur peau. Non, à celles qui veulent seulement, you know, s'éclaircir, avoir une peau glowy et tout ça, non. Mais les gens qui veulent dépasser les bornes, il y a les gens même que non. Moi, je connais c'est une fille de ma famille. Une fille de ma famille qui m'a toujours dit que non, Pauline, elle met le quoi? Elle utilise l'hydroquinone, quoi. Et un jour, on parlait juste, elle me dit, Pauline, tu vois pas la différence lorsque moi j'entre dans la salle? Et moi, je dis, quelle différence? Elle dit, tout le monde me regarde parce que je suis claire de peau. Tu sais, ça me donne des chances d'avoir plus des hommes. C'est ça qu'elle m'a dit. Alors moi, j'ai dit, donc toi, tu penses que non, je dois m'éclaircir. Elle dit, oui, Pauline, il faut t'éclaircir parce que lorsque les gens vont te voir directement, on te regarde toi directement avant de regarder les autres. Moi, je dis, donc tu veux dire que les femmes noires qui ont une peau foncée ne sont pas belles? Elle me dit, elles sont belles. Elles sont belles, Pauline. Mais le problème est que avant que les gens commencent à voir leur beauté, on va commencer à regarder profondément parce qu'elles sont noires. Mais lorsque tu es claire, ça frappe directement sur les yeux, quoi. Donc, elle m'a dit ça. Ce n'est pas une personne qui est loin où je vais dire que c'est une amie, non. C'est ma propre famille. Elle m'a dit ça. Et il y a aussi un jour, un de mes frères ici qui m'a dit, Pauline, je n'aime pas voir les noires américaines lorsqu'elles portent le bikini. Hein. Tu sais, notre corps noir là, ce n'est pas bon de montrer ça à l'extérieur. Et moi, je dis, pourquoi est-ce que lorsque les blanches sont au supermarché avec les sous-vêtements et les soutiens, tu trouves ça bien? Elle dit, il me dit, tu sais, pour les blanches, c'est différent. Leur peau, hein, ça leur convient. Donc, tu vois déjà les limites. Oui, les limites que les gens se font dans leur tête. Il y a ma cousine propre qui dit que non, lorsqu'elle entre dans la salle, tout le monde la voit. Avant de donc parce qu'elle est tellement en train de briller, quoi. Donc elle aura plus de chance avec les hommes. Donc et il y a d'autres personnes qui trouvent que non, les femmes noires ne peuvent pas porter les bikinis en public parce que notre corps c'est un homme congolais qui dit ça. Donc ce sont les trucs que non, les femmes aussi vont prendre et mettre ça dans leur tête et dire que oui, ça c'est un homme qui me dit que non, la femme noire n'est pas bien en bikini. Alors je vais m'éclaircir pour être vraiment bien en bikini. Non, mais il faut toujours savoir les limites.
Il faut s'accepter comme tu es. Il y a les gens qui aiment. Si tu as besoin de conseils pour éclaircir ta peau sans que ça aille beaucoup, il y a des produits que nos sœurs qui font les skin care, les Juno, qui d'autre, c'est la famille. Ils vous montrent les astuces. Si tu ne veux pas utiliser les lotions, tu peux faire ça naturellement. Tu vas, et, you know, you're gonna be glowy. You're gonna be glowy. Mais si tu veux que non, si tu veux t'éclaircir, ta peau n'a pas dit que c'est pas mauvais. Non, c'est ta peau. C'est ta peau, je ne te juge pas. Mais lorsque tu exagères, de façon dont on ne te reconnaisse pas, les gens qui ont grandi avec toi, ils te voient. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Pauline. Ça, c'est pas Pauline. Pauline était noire. Elle est devenue comme ça. Ça, c'est pas Pauline, hein? Hey, Pauline, tu as changé. Donc, les gens ne te reconnaissent plus. Hein? Ça, c'est aussi un problème. C'est comme la fille, là aussi, Martine. Elle est maintenant noire. Si ses copines le voyaient. Hey, is that you, Martine? Girl, what are you doing? Are you now black? You know, tout ça. Alors, moi, je trouve que les problèmes aussi, ce sont les hommes. Il y a les hommes qui vont faire à leur femme beaucoup de choses. Moi, je connais une personne qui elle a, moi, Pauline, là, je suis grosse. Ta peau est grosse, mais il ne faut pas dire d'abord ça. Ta peau va perdre le poids encore. Hé, hey, moi, Pauline, je dois être vraiment size 8 d'ici janvier. On m'a trop insultée. Je suis fatiguée. Donc, je me suis remis encore à faire mon gym, à prendre mes médicaments. Hey, je serai size 8. Oh. Lorsque je vais devenir Miss, je vais changer même la façon de parler. Attends, ça, c'est parenthèse. Hein? Lorsque je vais devenir size 8, je vais changer même ma façon de parler ici sur YouTube. Il ne faut pas venir me dire que ta peau, tu as changé, hein, parce que je vais vous bloquer. Attends, je vais te dire, lorsque je serai size 8, je vais commencer à venir ici et vous dire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène un lookbook. Ce lookbook est juste pour les gens qui sont size 8. Et 10. Si tu es plus de size 10 là, ne t'inscris pas sur ma chaîne parce que ta peau a maigri. Les choses ont changé. Hein? Les choses ont changé. Oh. Je suis size 8. Et tout le monde maintenant, vous devez porter size 8, les filles. Arrêtez de manger. Il y a quoi avec la nourriture? Vous ne pouvez pas faire la gêne. Jésus même a fait 40 jours sans manger, sans boire. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il a vaincu le diable. Pourquoi vous ne pouvez pas vaincre vos diables? La nourriture, c'est le diable dans vos vies. Vous êtes toujours en train de manger. Faites 40 jours, 40 nuits comme notre Seigneur Jésus nous a. Il y a quoi? J'ai déjà, moi là, je vous vois avec l'œil spirituel. Hein? La nourriture, c'est un grand Goliath dans votre vie. Laissez la nourriture au nom de Jésus. Même si tu vois, je suis en train de faire mes vlogs, je prépare mes poissons, je fais mes riz. Il faut pas avoir l'appétit comme le Seigneur Jésus a vaincu. La Bible dit pas, la Bible dit l'homme survivra pas. Hein? La Bible dit quoi? Apolline, j'ai oublié le verset là. Le verset là, c'est quoi? Hein? Le papa pasteur, il faut m'aider. Hein? L'homme, oui, l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de la nourriture, mais seulement de la parole de Dieu. Donc là, les filles, je suis en train de vous délivrer. Laissez-nous, laissez la nourriture, laissez la nourriture. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. Merci, Jésus. Mais c'est avec la parole de Dieu. Alors, comme moi pour ta peau, j'ai perdu, je suis maintenant size 8. Hein? On va commencer à faire les jeûnes dans ma chaîne. On commence notre jeûne de 10 jours. Il ne faut rien manger. Je vais mettre les caméras dans vos chambres. Il ne faut rien manger. On fait comme notre Seigneur Jésus. Et il ne faut pas oublier, le diable va venir te tenter. Il va venir dire, mange ce sandwich et je te donnerai le ciel et la terre. Donc, hein, bientôt là, lorsque je serai size 8, je vais commencer à parler comme ça. Il ne faut pas venir ici
dire que oh, ta peau, tu as changé. On t'aimait lorsque tu étais toi. Oh, c'est comme si une personne, tu as changé depuis que tu as perdu le poids. Je vais changer. Je suis en train de vous préparer psychologiquement. Toute la nourriture africaine là, vous devez laisser ça au nom de Jésus. Ok? Alors moi, je trouve que non, c'est ça. Retournons maintenant. Je trouve parfois que non, les hommes sont aussi la cause de tout ce qui se passe lorsque les femmes veulent se transformer comme ça. Tu vas voir un homme, je connais une fille qui avait dit ça même à la télé, il dit que non, elle est déjà mince. Hein? Elle est, c'est pas mince, mais elle est déjà vraiment, elle a une taille. Hein? Mais son mari, toujours, la disait à la maison, you're becoming big, tu es grosse, il faut perdre un peu, il faut perdre un peu. Alors, elle va commencer à prendre la nourriture et elle mange et puis elle part à la toilette, elle le renvoie ça. Parce qu'elle voulait tellement maigrir pour plaire à l'homme. Moi, Pauline, là, je vais y parler lentement parce que Laurent est en train de dormir. Si Laurent, là, il essaye de me dire que Pauline, tu es grosse et il ne faut pas manger. Hey. Je vais seulement lui dire, papa, laisse-moi, oh, laisse-moi. Ce n'est pas mauvais qu'il me dise que non, il faut que je perde, you know, un peu, lorsque j'ai un peu, hein, you know, pris du poids. Mais faire ça comme si tu es en train de faire le chantage, déjà que you're grosse, ça aussi c'est quoi? Emotional abuse. C'est emotional abuse. Je vais attendre seulement lorsqu'il va dormir. Hein? Il ne faut pas faire ça à la maison. Hein? Je vais attacher ses pieds et ses mains. Je vais prendre... Mon laitier mauvaise. Je vais lui chicoter. Que ce soit ta première fois et la dernière fois de me dire qu'il est comme ça. It's emotional abuse. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça à la maison. Mais le problème est que... Parfois, il y a les hommes qui sont comme ça. Et les hommes africains, pas les hommes africains, les hommes noirs, ils ont complexe de la peau claire, disons la vérité. Mais c'est, je ne suis pas en train de vous mentir, les hommes ont le complexe de la peau claire. Vous pouvez avoir 10 filles noires et une fille qui est claire. Ils vont toujours dire que non, la fille claire là, c'est la plus sexy. La fille claire là, excusez, c'est la fille là qui est sexy et tout et tout. J'étais sur Instagram. Oui, j'étais sur Instagram. Il y a une page là de Congo. Ça, ce n'est pas une page de Congo, ça, mais une page de Congolais qui mettent les photos des stars et leurs enfants. Alors, on a mis la photo d'une célébrité de RDC Congo chez nous. Sa fille est un peu chocolat, mais elle est jolie, hein? Et on a pris la fille d'une autre star qui a la peau métissée. Non, on n'a même pas mis la fille là d'une autre star. On a dit juste que non, la fille chocolat là, elle est belle et tout et tout. Et il y a deux garçons qui sont venus commenter en bas. Toi, tu parles de la beauté. Tu ne vois pas la fille d'un quelque. La fille là, elle est métissée. Tu as vu, elle est claire. Et ils ont tellement descendu la fille là parce qu'elle était chocolat. Pour eux, l'autre fille là est belle seulement parce qu'elle est claire de teint. Alors moi, je me suis posé la question. Si la fille là venait et lisait les messages que les garçons là ont laissés, hein, elle va partir, c'est décapiter la peau parce que regardez d'abord comment est-ce que les hommes sont en train de dire Cynthia, toi là tu es dangereuse, hein? C'est comme si tu me suis partout, hein? Alors ils ont commenté, ils disent que non, elle n'est pas belle parce qu'elle est chocolat et tout et tout. Donc tu vois que non, les hommes sont en train déjà de faire que non, les petites filles là vont grandir avec l'insécurité, avec les complexes. Parce que tellement que c'est la société qui est en train de leur dire que non, tu n'es pas belle parce que tu n'es pas assez claire, tu n'es pas belle et tout et tout. Et il y a d'autres gens qui sont par exemple clairs de peau. Même si la personne qui est claire de peau commence à utiliser l'hydroquinone là, tu ne vas jamais voir les mains ici noircir.
Parce que la personne est naturellement claire. Et pour elle, lorsqu'elle utilise ça, ça ne gêne pas sa peau. Mais lorsque tu es noir là, et tu veux devenir blanche là, comme la personne qui est claire, ma chérie, tes doigts ici là, lorsque tu fais comme ça là, ça va être noir. Et ça va te gêner. Non, I mean, it's just so bad. Même si tu pars dans les chaînes des astuces là, prendre les astuces là pour faire quoi, éclaircir les mains. Les astuces là marchent. Les astuces là marchent. Mais ça ne va pas marcher du niveau là où toi, une autre personne, ça va marcher. Parce que si tu es naturellement comme ça et tu prends les astuces que nos sœurs nous mettent sur YouTube pour éclaircir ici là, ça va s'éclaircir parce que tu n'as pas beaucoup de produits que tu appliques sur tes mains. Mais si tu es noir et tu veux maintenant, tu es foncé vraiment, tu veux devenir peut-être 7 fois, 7, 5, 6 fois plus que ta propre carnation, ça va beaucoup noircir. Tu peux beau utiliser ces astuces-là. Ça va marcher, mais ça ne va pas vraiment rendre ta peau, you know, the same. It's not going to be the same. Ça va être toujours, you know, it's just going to be a little bit different. C'est comme, oui, Beyoncé par exemple. Beyoncé aussi et Nicki Minaj. Ce sont des gens qui ne sont pas, qui n'étaient pas vraiment, comment je peux dire, qui n'étaient pas vraiment noirs. Ce sont les filles et qui étaient un peu claires de peau. Lorsqu'ils mettent leurs produits pour maintenant s'éclaircir, ça ne se voit pas directement parce que, you know, leur peau était un peu claire avant. Mais il faut, et puis, lorsque tu veux peut-être faire ça, il faut partir peut-être de plus ta carnation même. Mais lorsque tu pars 5 ou 6 ta carnation, je trouve que it's a lot. C'est beaucoup vraiment. It's a lot. Oui. Et caramel, oui. Oui, je n'ai pas dit que caramel. Excusez. Donc, you can go a little bit just like two. Oui, et puis le problème est que non, il faut utiliser aussi des produits qui sont peut-être de bonne qualité, des produits qui ne vont pas vraiment te nuire en plus, parce que beaucoup de produits en Afrique, nous tous on sait que non, les Chinois sont en train de faire tout et envoyer en Afrique. Ils sont en train d'envoyer n'importe quoi en Afrique, parce que peut-être ce ne sont pas des produits qui sont originaux. Et toi, tu commences à Mimi Chocolat, coucou. Et toi, tu commences à partir là-bas. Tu fais quoi? Tu utilises ce produit-là qui sont vraiment, qui sont vraiment des produits un peu très dangereux parce qu'on n'a pas même passé ça au laboratoire. Les Chinois sont juste en train d'envoyer ça en Afrique et tout parce qu'ils savent que non. Les gens veulent s'éclaircir en Afrique. Et même pas en Afrique, même ici aux États-Unis, même à Jamaïque, partout. Donc, je trouve que non, il faut faire attention avec quel genre de produits. Mais les injections, Magoud Soumaré dit que non, les injections coûtent cher apparemment. Oui, ça coûte cher. Ça, c'est pas simple. C'est de l'argent, ça coûte cher. Tu vois? Et il y a les gens qui veulent aussi... C'est comme aussi l'anorexie. Les gens qui veulent perdre le poids à tout prix, qui ne peuvent même plus manger et devenir tellement minces. Et c'est comme aussi les gens qui aiment tellement la nourriture et devenir obèses. Parce que parfois, ici aux États-Unis, il y a des émissions, tu vas voir une personne, elle a déjà plus de 600 pounds. 600 pounds, c'est 300 kilos. Presque 300 kilos. Et la personne est comme ça. Elle a déjà 300 kilos. Elle ne marche plus. Elle est juste sur le lit. Mais tu vas voir, cette personne aime manger que les cheeseburgers. Donc, elle veut manger que les cheeseburgers. On te dit déjà que tu es devenu comme ça à cause des cheeseburgers. Mais tu es là en train de commander les cheeseburgers. Tu es sur le lit. Tu ne peux plus bouger. Elle veut seulement manger les cheeseburgers. Oui. Yeah.
Yeah, my 6LB life. Oui. Donc, ça se passe même à la télé. Elle ne peut plus même partir à la toilette. Elle est tellement grosse. Mais elle est en train de demander cheeseburger. Elle va même commencer à pleurer si on ne la donne pas. Hmm? Et le problème est que les gens arrivent aussi à... Il faut aussi... Et lorsque tu es mince, tu ne veux même pas manger la nourriture. Tu es en train de vomir parce que tu as la maladie, quoi, l'anorexie. Parce que tu es tellement obsédé par ton poids. Même si tu gagnes un kilo, Juste dit que non, Pauline, c'est pas leur faute. Leur estomac est déjà big. Oui, je comprends, Juste. Mais elle peut manger de la salade pour remplir là-bas, là où c'est vide. Elle peut manger même 2 kilos de salade si elle veut. Mais elle veut seulement qu'elle mange le cheeseburger. Et tu vas voir une personne. Tu vas voir une personne qui a l'anorexie. Même si elle prend seulement 1 kilo, elle va commencer à faire la dépression. Ma chérie, tu es déjà trop mince. Prendre 1 kilo ne va pas te tuer. Ne va pas te tuer. Tu vois? Prendre 1 kilo, ça ne va même pas te tuer. Mais tu vas voir, la personne va déprimer parce qu'elle a pris seulement 1 kilo. Donc, je suis sûre que non. Il faut savoir notre balance. Essayons d'avoir la limite dans toutes choses. Il ne faut pas que, parce que tout excès nuit. Afro Beauty dit que non, les stars donnent les mauvais exemples. Ma chérie, il faut aussi laisser les stars là tranquilles. Hein. Beyoncé ou bien Nicki Minaj, par exemple. Nicki Minaj a sa teint qui était déjà un peu claire. Elle ajoute un peu, elle devient plus caramel et tout. Sa peau est uniforme. Est-ce que Nicki Minaj t'a dit que non, il faut faire ça? Toi-même, tu veux tellement, tu as cette mentalité de tellement copier tout ce qui est dehors là. Tu veux copier. Yeah. Les stars ont de l'argent. Les stars ont de l'argent. Est-ce que vous avez vu déjà Michael Jackson avec tout ce qu'il a fait avec sa peau? Est-ce que vous avez vu Michael Jackson avec les tampons? Les tampons, ce sont les taches noires qui font lorsque tu utilises les produits ici. Est-ce que vous avez vu Michael Jackson avec ça? Non! Parce que pour lui là, ce sont les docteurs et docteurs qui prenaient soin de sa peau. C'est comme ça les stars font. Donc... Oui, le problème est que, oui, Nicki Minaj, même si il y a qui dit que Nicki Minaj n'est pas caramel, elle est presque blanche. C'est ça le problème. Vous êtes en train de voir comment est-ce que Nicki Minaj est en train de se transformer. Mais toi, tu vas voir une personne. J'ai vu, un jour, je regardais quoi, la vidéo de Juznovitz. Elle montrait le lotion. Et il y a une fille qui est venue commenter que non. Ma chérie, je veux que ma peau soit comme la peau de... Elle a parlé de la peau d'une personne là. Maintenant, juste en fait, tu es en train de te montrer les produits pour que non, tes produits soient un peu caramel. Toi, tu es en train de la demander si ta peau peut devenir comme Beyoncé ou quelque chose. Toi-même, tu n'as même pas la carnation de Beyoncé. Et lorsque peut-être tu vas essayer ce que tu as donné, tu dis que non, ça ce n'est pas enough. Tu pars ajouter. Est-ce que c'est la faute de Beyoncé ou la faute de la personne qui est en train de te conseiller? Non, c'est ta faute parce que tu veux tellement copier, devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut devenir ta star ou... Quelqu'un peut devenir ta star, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous ressembler. Non, vous ne devez pas vous ressembler. Elle peut être ta star. Peut-être que tu peux copier son style vestimentaire. Comment est-ce qu'elle s'habille. Mais cela ne veut pas dire que tu dois exactement. Donc, parce que si tu veux tellement copier et avoir la... c'est ce que je suis en train de dire ici. Donc, tu peux même avoir le vergeture. Parce que si tu es tellement noir, tu veux devenir plus 7 fois blanche. Tu vas avoir la vergeture. Ta peau, il y aura des vergetures partout.
Parce que tu es en train vraiment de faire souffrir ta peau. Hmm? Est-ce que la fille là, vous voyez la fille lorsqu'elle se transforme en noir, hein? Maintenant là, elle est noire. Est-ce que elle est, si vous voyez, elle n'est pas noire comme le noir. Elle n'est pas noire, elle a beaucoup beaucoup de taches. Si tu as, mais elle a beaucoup beaucoup de taches. Sa peau a tellement vieilli directement. Hmm? Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas amener ta peau à des exercices que Dieu n'a pas prévu pour ça. Oui. Dieu n'a pas prévu que non, ta peau sera tellement, tellement noire lorsque tu es blanche. Dieu n'a pas aussi prévu que ta peau là sera tellement blanche que tu es noire. Hmm? Lola Espera t'a dit que non. Tu as déjà remarqué que dans les films américains, le mec dark skin est toujours avec une épouse light skin métisse. Perso, je suis light skin, mais j'aimerais être plus foncée. Mm. Donc, moi, je trouve que non, on doit juste, essayer de faire la limite. On doit essayer de, you know, de trouver nos limites. Oh, multifacette, how are you? Donc, on doit essayer de prendre nos limites, essayer de nous limiter et, de savoir si on est en train de partir très loin, si ça nous convient ou pas, on doit tous savoir ça. Où est-ce qu'on a l'oreille? Attends, non, là. Lolo. Malili. L'oreille s'est réveillée et là, je dois partir. Ah, tu t'es réveillée. Hi Lala. Hi. How are you? How are you? How are you doing? Il faut pas partir là-bas et jeter. How are you doing? Are we gonna do our hair? How you doing? Hi Lolo. Hi Lolo. Di hi. Hi Lolo. Hi. Hi Lolo. Hi Lolo. Hi Lolo. Hi Lolo. Di hi Tata. Hi Tata. Hi Lolo. Merci. Hi Lolo. Hi Lolo. Hi Lolo. Laurel veut partir jeter ma caméra en bas. Hein? Hi Lolo. Tu 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 mama. Tu 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 mama. Tu 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 baby surprise. Tu tu tu. Elle a grandi. Tu 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 baby surprise. Chou 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 baby surprise. Chou chou chou. On peut faire. Thank you la rose. Thank you la rose Shoela. Chou 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 baby surprise. Alors. Yeah, she say mama all the time. Mama. 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 Oui, maman. Oh my gosh. Alors, je vais partir faire les cheveux de Laurel. Comme vous voyez, ses cheveux sont mess. Et je vous demande, est-ce que les cheveux de Laurel seront seulement comme ça? Pourquoi les cheveux de Laurel? Oui, ça va changer. Ça va changer en nappy. Parce que là, c'est tellement bouclé. Ça va changer un appui ou comment? Il faut me dire, parce que je veux savoir. I want to know. Oh, ça va changer un appui. Yeah. Oh, parce que je me demandais toujours. Merci. Merci. Oh, ok. Ok. Oh, c'est pas définitif. Oh. Oh. Ça peut rester.
Moi, je vais couper. Est-ce que c'est important que je coupe? Je vais couper aussi. Parce que chez nous, en Afrique, on coupe. Hein? Après une année, non. On va couper tes cheveux, Laurel. Alors, je vais m'occuper de Laurel. Elle vient de se réveiller. Vraiment, on va continuer la discussion. Laurel, dis tata Océane. Tata Océane. Tata Océane. Ah, ok. Oh, elle a combien de dents? Elle a des en bas juste non. Dis hi à tante Judith. Tante Judith, dis hi. Laurel. elle a des dents ici et des va sortir en haut aussi. Donc ça va bientôt sortir. Alors vraiment, je vais partir maintenant. Elle est contente là. Bientôt ça va changer. Hein. Alors, on dit bye les tata. Bye les tata. Bye, attends. Non, ça ne va pas changer puisque pour la mienne, elle est restée intacte. Oh, ok. ok, Lorraine, on dit bye. Bye les tata. Bye les tata. Dis bye. Dis bye. Bye. Bye.